Coucou tout le monde, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, c'est un exercice de sport que je vais vous proposer, que vous pouvez faire tous les matins. Donc c'est parti, donc une voix off accompagnera la vidéo, c'est parti. Donc tout simplement au niveau de la tenue, prenez un short, et au niveau du haut, ce que je conseille aux filles, c'est vraiment de prendre un haut qui maintient bien votre poitrine lorsque vous faites du sport. Let's go. Donc là, on va commencer donc par faire une séance de 30 pédalos. Donc c'est parti. Donc le dos bien droit, on rentre le ventre. Et donc on fait ça jusqu'à 30. Au début, vous pouvez faire 15, puis augmenter petit à petit jusqu'à 30. 30, c'est déjà bien. Ensuite, vous vous mettez sur le côté de votre choix pour commencer. Donc moi, là, j'ai choisi mon côté gauche. Et je vais lever ma jambe, une série de 15. De profil. Un petit sourire. Voilà, donc on fait une série de 15, tranquillement. Après, l'idée est de faire une série de 30. Par la suite, essayez toujours de faire un petit peu plus long, faire durer toujours un petit peu plus. Donc de l'autre côté, pareil, une série de 15. On n'oublie pas de respirer. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On s'étire, le dos bien droit, et là on va faire un lever de jambe plié vers le plafond. Donc là ça va vraiment se travailler sur les fessiers et l'arrière des cuisses. Donc là c'est pareil, on essaye de faire une série de 15. Pareil de l'autre côté. Puis, après plusieurs exercices comme ça, nous pouvons faire une série de 30. Mais pour le début, même 10, c'est déjà bien. Le but étant de vraiment faire du sport sans se fatiguer, c'est vraiment le matin réveil douceur pour bien commencer la journée. Donc là, nous allons nous remettre sur le dos bien droit. On lève les fesses, on rentre le dos, on rentre le ventre, pardon. Et là, on lève la jambe et on va faire tourner la cheville. Tourner le pied plus précisément. Donc là, une série de 15. Donc là, ça va assouplir la cheville, surtout pour les filles qui portent des talons. Et en même temps, ça tire un peu dans la cuisse et dans les fesses. Donc ça travaille cuisse et fessiers. On lève un petit peu plus haut. Là, ça va un petit peu plus chauffer dans les fesses. C'est normal. Donc là, le but est vraiment de concentrer sur le fessier. On reste ainsi jusqu'à 30. Et on garde toujours le ventre plat. On n'oublie pas de respirer. Ce ne sont pas des exercices difficiles en soi. Voilà, on repose tranquillement, on va s'étirer, on respire, on se détend. Pareil, le dos bien droit au sol. Hop, on se laisse tomber donc vers la gauche, puis vers la droite. Ça va étirer le dos. On revient tout doucement. Et là, nous allons donc effectuer des pompes. Donc moi, j'appelle ça des pompes, des demi-pompes, parce que je reste sur les genoux. Donc là, l'idée est d'en faire 10.
puis 15 quand l'exercice a été déjà répété plusieurs jours de suite. Donc oui, je vous invite à vous attacher les cheveux hein, pour faire ces exercices. C'est vrai que c'est un petit peu plus simple. Hop, petit réajustage. Et hop, on y va pour le rameur. Donc là, l'idée est d'en faire 10 pour commencer, si c'est votre première fois, et après d'aller jusqu'à 15. On étire, on touche le pied avec la main, l'autre jambe est en angle droit. On fait la même chose sur l'autre. Donc là, c'est les étirements, ça va vous éviter d'avoir des courbatures, un petit sourire, c'est gratuit. Et là, donc, c'est papillon. Et le but ensuite, c'est d'avoir les genoux les plus proches du sol. Donc là, pareil, on s'étire, on se laisse tomber. Ça tire un peu derrière les genoux, c'est normal. La pose du cavalier. Donc ça tire un petit peu dans les cuisses, on garde le dos bien droit. Voilà, donc la séance de sport est terminée. J'espère que ça vous a plu ou que ça vous a donné quelques idées de nouvelles posture. Je vous avoue très franchement que moi, ça fait, on va dire, à peu près 3 mois que je n'ai pas pratiqué ces exercices. Je pense que ça a dû se ressentir lors de la vidéo. J'ai eu, on va dire, quelques petits contretemps qui m'ont fait que je n'ai pas vraiment pu refaire de sport. Donc là, je m'y remets petit à petit. Là, comme je vous disais, c'est vraiment la première fois que je refais ces exercices depuis 3 mois. Donc voilà. Eh bien, je vous fais plein de gros bisous à tout le monde, je vous adore.